Les élèves de Laurent n'ont pas le temps de s'adapter. Depuis le 13 janvier dernier, le nouveau maître de midi des 12 coups de midi ravit les téléspectateurs de TF1 en racontant de nombreuses anecdotes. Et ce jeudi 10 février, le professeur de philosophie a surpris Jean-Luc Reichmann en expliquant avoir souvent tenté des expériences dans S.E.Class. Quand j'étais jeune enseignant, au siècle presque dernier, en début d'année je faisais une expérience qui est tirée d'une expérience réalisée en thérapie comportementale pour montrer la soumission à l'autorité, a expliqué Laurent, qui a d'ores et déjà remporté une étoile mystérieuse dans le jeu de midi de la première chaîne. Si est-il à dire que j'arrivais en classe le premier jour, je peux avoir un faciès assez froid, je faisais l'appel et là je prenais un élève au hasard, je lui disais de se mettre au milieu de l'allée et je lui disais, j'aimerais bien que tu me fasses une cabriole. Et je n'ai pas eu de refus, s'est étonné Laurent sur le plateau des 12 coups de midi. Mais pas de panique, le maître de midi ne laissait pas faire ses élèves. Au moment où ils allaient s'exécuter, je leur disais, stop. Je sais bien que vous ne connaissez pas la philosophie mais est-ce que vous trouvez normal que je vous demande de faire une cabriole en plein cours de philosophie? A-t-il ajouté, toujours étonné qu'autant d'élèves aient accepté une telle expérience. Selon lui, celle-ci est une mise en pratique de quelque chose d'assez intéressant pour ensuite les aiguiller vers le fait de penser par soi-même. Une expérience mise en place au cinéma et à la télé, cette expérience, elle est terrible. Et les résultats sont éloquents parce qu'il y a plus de 63% de la population qui sont capables d'obéir à un ordre émanant d'une autorité uniquement parce que ça en est une, a conclu Laurent. Cette expérience, créée par le psychologue américain Stanley Milgram, apparaît notamment dans le film Comme Icar réalisé par Henri Verneuil avec Yves Montand. À la télévision, plusieurs émissions se sont inspirées du concept et notamment en France avec le documentaire Le jeu de la mort diffusé sur France 2 en mars 2010. La chaîne souhaitait tester les téléspectateurs avec cette émission, réalisée par Christophe Nick aux côtés d'un chercheur en psychologie sociale, Jean-Léon Beauvois. Loading Widget.